Des petits exercices tout bêtes pour s'assouplir les doigts. Déjà, un exercice de base qui va être un peu lié au psychisme, c'est éviter d'avoir la main qui est tendue. Donc l'idée, pour c'est des fois de faire tout simplement des exercices un peu de répétition. La main va chauffer et petit à petit, ça va s'assouplir, quoi. Alors tout simplement, ce genre de doigté, on va monter sur la deuxième rangée. Ça, on peut les faire avec quatre doigts. On va aller de plus en plus vite. Idem pour cette montée avec carrément les quatre doigts. Au ralenti. En fait, un doigt va être utilisé pour aller chercher sur la deuxième rangée, mais dans le sens de cette diagonale-ci. Donc, la version en poussée. Et ensuite, on accélère. L'idée, c'est vraiment de détacher les notes. Alors, pour exagérer l'exercice, on peut le faire avec des notes beaucoup plus courtes. Ça va nous permettre, après, quand on va accélérer, justement, de ne pas avoir toutes les notes qui vont se chevaucher ou de rater la chose. Ensuite, pour les accords que nous avons vus, on peut délier un accord et faire un arpège. L'idée dans cet exercice-là, c'est de prendre plusieurs façons de faire les arpèges et de les faire sur un peu toutes les positions d'accord. Donc, on peut faire en partant de l'index vers le petit doigt, ou si on n'arrive pas, on peut utiliser que trois doigts. Ça, c'est une possibilité. On va le faire par exemple en descendant. On va le faire en montant. On va le faire en montant et en descendant. Et idem pour les autres accords. Voilà. Un peu dans des exercices basiques, il suffit après de le reproduire pour tous les accords.